Vous allez voir comment en fait. C'est très simple. Voilà, ça, ce sont tous les joueurs que j'ai pu demander grâce à cette méthode. C'est la méthode de duplication. C'est, comment vous dire, c'est le Graal en fait. C'est, elle m'a permis d'avoir plus d'un million de crédits bons. J'ai dû dépenser pour acheter des joueurs, d'avoir des joueurs qui sont pratiquement intouchables vu leur prix. Et tout ça grâce en fait à une méthode qu'un joueur m'avait montrée pendant que je faisais une partie en ligne avec lui. Il avait une équipe, enfin, je m'en souviens plus trop, mais c'était parce que c'était au début de l'année, il avait des joueurs incroyables. Et bon, on avait sympathisé et tout ça, il me l'avait montré. Et c'est une méthode, en fait, qui est issue d'une faille sur les serveurs FIFA, d'où les bugs récurrents au niveau des recherches de joueurs, en fait. C'est la raison pour laquelle FIFA bug, c'est que cette méthode, elle permet de créer des duplications de joueurs. Du coup, lorsque vous faites une recherche d'un joueur, souvent ça vous marque aucun élément disponible. Tout ça, c'est que souvent il y a tellement de duplications de joueurs que ça fait bugger les serveurs. Ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer l'équipe que j'ai. Bon, parce que tout ça, c'était des joueurs que j'ai vendus. Et on va faire, en fonction de mon équipe, une demande de joueurs récents. Bon, voilà, bon, c'est déjà une équipe assez sympathique. Bon, je vais le remettre celui-là en place. Hop, Matic, il devait être à sa place. Bon, excusez-moi, ça bug un petit peu. Voilà, bon, c'est pas grave. Comme vous pouvez voir, j'ai Sturridge, j'ai Sech, j'ai Drogba Noir, j'ai Azpilicueta. Je sais que c'est pas une très grosse équipe, mais moi, ça me satisfait largement. C'est une équipe qui m'a beaucoup aidé à progresser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. On va demander aujourd'hui Petr Sech parce que c'est un goal que j'apprécie beaucoup, et Sturridge parce que je trouve qu'il est incroyable, physique, rapide, et on va faire la demande avec vous. Alors en fait, la méthode elle est très simple, elle consiste à aller sur le lien que je vais partager dans la description. Ce site, en fait, c'est le site que mon ami m'a montré enfin, qui m'a partagé après la partie. Elle consiste tout simplement à remplir un formulaire et enfin, le plus important, je pense, c'est la demande. Enfin, c'est le moment le plus intéressant. Apparemment, il ne faut pas faire trop de demandes parce que des fois, ça plante. Donc, alors faites deux joueurs, plus une petite somme d'argent, mais vous pouvez le faire plusieurs fois, mais ne mettez pas 50 joueurs, ça ne servira à rien. Donc, alors, on a dit, vous voulez Sage en TOTS, OK, ainsi que Storage en IF. Voilà. Alors, il va falloir mettre son adresse mail. OK. Alors. Mot de passe. Alors, la réponse à la question secrète. OK. La console, bon, moi je suis sur PS4. Cette méthode, elle fonctionne autant sur Xbox que sur PS4. On m'a dit que ça fonctionnait aussi sur console et tout le reste, mais bon, j'ai jamais essayé. Hein. Donc, alors, je peux pas vous dire. On envoie la demande et normalement, ils disent comme quoi ma demande a été envoyée avec succès. Ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter la vidéo là juste là parce que ça prend généralement presque 12 heures, 18 heures, 24 heures pour recevoir la. Pour recevoir les demandes que vous avez faites. Nous revoilà. J'ai checké tout à l'heure mon compte FUT pour voir si j'avais bel et bien reçu les joueurs. On va vérifier ensemble. Et effectivement, vous pouvez voir, il y a Sage, il y a Sturridge. Bon, ils apparaissent de temps en temps avec des styles déjà. C'est dû à la duplication. J'espère que.